Tu me rends le masque, coquin? Ça c'est à moi. Il m'a piqué mon masque. Oh mon dieu. Attention, attention le sac. Attention. Alors, comment il est le Stockholm? Il se met où? La libre Suisse. Hein? La donnée de la libre. Stockholm. 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 Mmh. Oui, voilà, c'est ça, Stockholm. Ah, mon titi. Ah non. Non, mais quand il aboie, c'est pas méchant. C'est juste qu'il parle. Les chiens, quand ils parlent, eh ben, ils aboient. Regarde. Faut pas avoir peur quand il aboie. Silence. Non, non, t'inquiète pas. T'inquiète pas. C'est pas méchant quand il aboie. C'est, il veut que tu t'occupes de lui. Tu veux qu'on s'occupe de toi? T'as vu, c'est beau. Oui. Votre coma. Stockholm. Si une poussette qui pousse, je peux tomber. Alors, c'est pas la peine. Non, non, non. Viens ici. Non, non, non. 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 Tiens, je te donne la balle. La balle? La balle? Oui. Oui, Stockholm. T'amuses pas la balle, hein. Oh. Oh. Oui, d'accord. Tu peux pas passer là, Stockholm. Quand je pense que le premier jour il avait peur. T'es fatigué? On a un petit peu joué dehors, ça y est. Titi. T'as l'air d'être exaspéré. Stockholm, c'est dégueu. Oh non. Ça c'est pas bon. Caca. Caca. Oh là là. Je suis en escalade. Ouais. Oh, gentil Stockholm. Gentil Stockholm. Gentil Stockholm. Gentil. Hey hey. Non, c'était juste pour vous dire qu'en fait, je pense avoir trouvé pourquoi Stockholm avait vomi deux fois et que d'un coup, il a commencé à avoir plein de rototos pendant qu'il mangeait, après, le ventre qui gargouillait de ouf après manger. J'ai compris, je me suis refait le film 10 000 fois dans la tête. J'avais eu mon père au téléphone et puis il avait parlé avec quelqu'un... un professionnel qui s'y connaissait beaucoup dans la race des bouffées vertes et qui disait qu'il faut toujours leur donner les croquettes avec de l'eau. Chose qu'on faisait au début, en fait on imbibait légèrement les croquettes avec de l'eau chaude parce que Stockholm ne touchait pas ses croquettes les premiers jours. Et ensuite on s'est dit bon bah on arrête. Je remarquais qu'en fait il s'étouffait un peu avec les croquettes, comme si elles restaient coincées.
Et j'en ai parlé à mon père et il m'a dit il faut que tu lui mettes de l'eau. Du coup, je me suis dit ouais, comme avant, comme on faisait avant. Il fait non, non, mais non, mais là, il faut vraiment que tu mettes de l'eau. J'ai dit ok. Et en fait, c'est à partir de là où ça a commencé. En fait, après, j'ai appelé mon père et je lui dis l'eau, j'ai l'impression qu'en fait, c'est depuis que tu m'as dit de lui mettre de l'eau avec. Et là, il me dit non, mais je t'ai pas dit de mettre de l'eau. Moi, je prenais son verre doseur là avec les croquettes. Et je rajoutais un peu d'eau, je mélangeais comme ça et je mettais. Il me dit, mais non, mais faut pas faire ça, faut genre prendre le verre doseur avec les croquettes, tu mets de l'eau, tu laisses imbiber et ensuite t'enlèves l'eau. Là, je lui dis, t'es sérieux? Et il me fait, mais je t'ai jamais dit ça, nanani, nanana. Je dis, tu m'as dit les croquettes avec de l'eau. Bref. Et du coup, j'étais mais soulagée et en même temps, je m'en voulais trop. Je me suis dit, putain, c'est à cause de moi que mon bébé, il a été malade et tout. Chaque fois, j'entendais son bidou faire du bruit. Il devait avoir mal, il devait. Ah, je m'en voulais trop, je vous jure. Enfin voilà, du coup, si ça peut aider quelqu'un. Voilà, pour la petite histoire, donc ça se termine bien.